quand le Seigneur a parlé dans Jean 4, moisson à Jean 4, la moisson de Jean 4, il a moisson, il y a enseignement de mes enfants. C'est la moisson de l'enseignement tel que le Seigneur l'a donné. Jésus-Christ a été fatigué dans la sixième. Jésus-Christ a été fatigué dans Jean 4. Dans Jean chapitre 4. A disciple qui nous sommes venus au il a envoyé ses disciples à l'acheter de vivre. Lorsqu'ils sont allés acheter la nourriture, à leur retour, le Montesquieu l'avait trouvé en s'entretenant avec la femme samaritaine. Ils lui ont proposé la nourriture. Mais il n'a pas à manger la nourriture, il avait déjà mangé. Les disciples s'étaient posé la question l'un à l'autre. Est-ce que vous ne pouvez pas venir le petit aller? Quelqu'un lui a apporté la nourriture pour manger. Maintenant, verset 34, les Jean 4. Dans le verset 34, les Jean 4. Tiens, à 37. Verset 37. J'ai le nom de Jésus-Christ. Jésus l'a dit. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous l'ai dit. Levez les yeux. Et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Et amasse des fruits pour la vie éternelle. Enfin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci c'est qu'on dit un prêtre. Autre est celui qui sème. Et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé. Et vous êtes entrés dans l'air. Donc d'autres ont travaillé. Qui sont ces prophètes? Les chants dont le Seigneur parle, ce ne sont pas des hommes. Mais c'est toutes les écritures que nous voyons. Toutes ces écritures. Exode. Deutéronome. Lévitique. Juge. Un Samuel, roi, chronique, Job, Nyonsou. Toutes ces choses, Esaïe, machin. Donc ce sont le chant et le livre des prophètes. Maintenant, il faut par disciple, battre les kobukas ici dans Bango Balon à terre. Quand les disciples doivent aller moissonner là où ils n'avaient pas travaillé. Il y a d'autres monde qui n'a acte 2. C'est pourquoi on avait vu dans acte 2. Pierre a porté qui dit la Joël. Pierre entrait dans le champ de Joël. Il a moissonné dans le champ du Saint-Esprit. Pour dire des choses concernant le Saint-Esprit. Il est entré dans le champ de David. Là, les champs, les agneaux sont comme les écrits des prophètes. Là, les champs, c'est toutes les écritures des prophètes. Il faut y aller pas. Tu vas savoir de ton côté. Que Caïn a comment appelé Nababilanga. Caïn a comment déconné Abel à Katsabilanga et Béné. Ce n'est pas la seule chant, il faut bien le faire. On ne fait pas ce qu'on fait. On les filme. On a mis Caïn dans un seul chant. En train de parler à son frère. Après, il a poignardé. Verset le verset n'est pas comme ça. C'est pas verset. Écoute le verset. Genèse 4, verset 8. Genèse 4, verset 8. C'est mon nom. Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, ce n'est pas un seul champ. Maintenant, viens dans la réalité de mettre dans plusieurs champs même. Maintenant, il faut les placer.
Tu regardes dans ses chambres, tu vois Taïer Abel. Tu regardes dans un autre chambre, tu vois ses deux frères. Tu regardes dans notre chambre, tu vois Caïn et Abel. Tu regardes dans notre chambre, tu vois Caïn et Abel. Dans des chambres, on n'a pas dit dans un seul champ. Lis d'abord dans ta version. Parce que ça n'a pas d'amour. Peut-être que si c'est un seul chant, tu lèves le doigt, tu dis chez moi c'est un seul chant. C'était dans plusieurs chants. Tu vois dans les chants Genèse, Caïn et Abel. Tu vois dans les chants Exode. Tu vois Caïn et Abel. Dans les chants Caïn et Abel. Dans les chants Caïn et Abel. Tu vois dans Caïn et Abel. Caïn et Abel. Ok, il a Jérémie. L'échange est là. Caïn Abel. Ok, il a Ézéchiel. Tu vois dans Ézéchiel. Caïn Abel. Il y a Caïn, son frère Abel. Maintenant, il y a aussi une concordance. Alors, quand tu prêches avec la concordance, ok, tu te rends à alphabet na C. Alphabet, lettre C. C-A-I-N. Tu penses C-A-I-N. Caïn. Caïn. Après, je vais dire ça. Maintenant, le verset de Caïn. Tu vas trouver Caïn à la fin là-bas dans les chants, toi. Et puis tu l'as mis dans la bilarde. Mais tu te mets dans les chants au pluriel. Tout ça va lui les écouter. Mais dans mon temps, là, lorsque tu feras la marche, j'ai parlé de plusieurs. Ça met à l'obatanaba le ligne béni qui s'est. Dans Genèse, en observant, tu remarques, tu vas voir les frères de Joseph qui avaient haï Joseph. Dans un champ. Là, ils appelaient là, maman. Comment dit maman, ils ont fait un groupe à Caïn. Non, ils font des groupes de frères pour tuer la belle de leur frère Joseph. À tous sillonner. Même si tu es là, tu vas commencer à voir Caïn. Pour passer à la dans les champs. Parce qu'ils se retrouvaient dans plusieurs champs. Et puis, dans les et puis on s'étonne à la Genèse 4. Il faut que Abel rapporte ça à Moussala. Tu vas savoir qu'Abel était dans son ouvrage. Il était berger, mais il ne mangeait pas les troupeaux. Oui, parce que les Romains ont parlé de Bobonia Moussoula. Est-ce qu'on s'étonne à Dieu avait interdit la viande? Donc, et ça veut dire vraiment qu'Abel a fait Moussala. Ça veut dire vraiment qu'Abel travaille. Mais pour lui, il les a mais pour manger, quand c'est le fait à Caïn. Oui, parce que les Romains ont appelé ça une idée qui va m'appeler. Parce qu'on s'étonne à Dieu avait nourriture le premier là. Qui était cultivateur? C'était son frère. Mais qui mangeait la mer? Pour qu'il puisse avoir ça, pour travailler, il va manger le fruit de la terre qui donc Caïn était cultivateur. Aboliani à ma terre. Il ne faut pas manger le fruit. Aboliani à ma terre après les niches. Donc manger la chair qui après les niches, frère. Abel manger la nourriture de Caïn. Il mangeait la nourriture. Maintenant, il y a le placer dans la bouche. Les petits. Wanaka kanita ya likuni kaka. Kolia ya ben, zalaki Caïn. Donc pour qu'Abel puisse manger, il doit aller chez Caïn. A retrouver du lot à Kolia la et pas Caïn. Il va trouver sa nourriture chez Caïn, le cultivateur. Il n'est pas que Caïn passe la case à Israël. Sache que Caïn, c'est Israël à cet endroit. Et la nourriture, la loi, même pour que le véritable Abel vienne, il était venu d'après le boulot qu'avait Israël. Il est question de moi. Et comment on est la tine à la main? Et donc, tout ce que je ferai, parce que la nourriture, c'est la volonté de Dieu. Moi, terminé, ça ne compte pas dans la volonté de Dieu, ça va être dans les prophètes. Chambre au côté. Non, dans un
Quand tu vois Israël, lorsque tu vois Israël, Israël se comporter comme nous t'avons rejeté la parole. Qui s'est comporté comme un rebelle qui rejette la parole, c'est extrêmement contraire. Et ça, le Caïn a pris ça. Et il tirait les prophètes. Et les prophètes, parce qu'il y a des répétitions d'Amen. Parce que la situation des ennemis dans des champs. Parce que cela s'est passé dans les champs au pluriel, n'a pas dit la main. Dieu bénisse. Ça ne pas pour la donc c'est que, c'est-à-dire, doctrinalement, si quelqu'un montre, si quelqu'un montre, que les gens, par exemple, la parole, qui s'opposent à la parole, comme Caïn, ce n'est pas mon comme Caïn, ça m'a dit. Mais, vous pouvez dire, parce que celui qui était opposant vient de nous entendre dans les choses de Dieu. Ça nous risque. Isaïe Saïe. C'était lui lorsqu'il a accompli les textes. Il a tué le sang. Accompli cette écriture. Il a accompli l'écriture. Il a retiré le véritable Abel. Il a tué le véritable Abel. Et aussi vie. C'est alors que nous avons reçu la vie. Chemin pour faire ça. Il n'y avait pas un autre chemin. Il y a un livre qui ne ressemblait pas à Caïn. Bon, la natine à Caïn. Mais c'est clair. Isaïe. Ne ressemblait pas à Israël qui a dit Christ. Ne ressemblait pas à Israël à Romain qui Christ. Quand tu vas tuer Jésus aujourd'hui, on va imiter Israël et la parole. Tu vas lui rappeler qu'Israël, comment est-ce qu'il a tué la parole? Non, j'ai gardé la parole. Tout t'as une parole, j'ai gardé la parole. Tous ces mouvements, il faut qu'on veille un peu dans les écritures dédiées. Tu vas veiller à tous ces mouvements dans les saintes écritures. Parce que le Seigneur, oui, t'es un colo. Dans son langage, perdre la foi. Il a un langage des gens qui perdent. Perdre la foi, mais l'incrédulité d'Israël, mais l'incrédulité d'Israël aussi s'est retrouvée encore dans ces mouvements. Donc la Bible, dans la Bible, les Arabes perdent. Les Arabes n'ont pas tata, on ne va pas ta qualité, on va pas ta pété. Les Arabes perdent. Les Arabes n'ont pas tata, on dit mal. Je ne dis pas que c'est. Prenons par exemple un acte. Parce que dans cette Bible, on ne fait pas trop mal. Je sens que nous devons parler de ces choses. Parce que c'est très important. Acte 7. Acte chapitre 7. Verset 53. Le verset 53. L'écriture est libre. L'écriture dit ceci. Verset 51. Le verset 51. Homme au courant. Batoya Kimbo et Gouma. Ainsi considéré. Et donné. Pain à Mato. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Et non, mon télé, mais la tata dans mon livre au centre. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. J'avais posé la question au pasteur Branamis. Vos pères ont été. Les pères d'Israël, Abraham, Isaac, Jacob. Elle a dit Abraham, Isaac et Jacob. J'ai dit, je répète la lettre. Oh mon courant. Ainsi possible que le vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été. Vous l'êtes aussi. Lesquels des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tiré ce qui annonçait d'avance la venue du Jésus. J'ai rajouté la question. Est-ce que Abel a annoncé la venue du juste? Est-ce qu'Abel a annoncé la venue du juste? Son condimi. Si tu acceptes. Ma condimi que Caïn a perdu Israël. Et directement tu acceptes que Caïn est crédu, père d'Israël est crédu. Hein, ce condimi. Si tu acceptes. Bon, dit, madame, c'est bon. Si tu acceptes, c'est quoi, c'est comme ça? Abel a annoncé la venue à juste. Abel a dit qu'on s'appelait la Jésus. Ça, oui, ça, comme les œuvres qu'il avait racontées à Christ. Parler de Christ. Mais maintenant, on est à comment il y avait. Maintenant, celui qui avait tué Abel. C'est un père d'Israël. Ah, ça dit, tata, il est salé. Saint-Esprit était avant la tête d'Étienne. C'est le Saint-Esprit qui l'a pris. Étienne était plein de l'Esprit. Étienne a tout mis sur la vie dans mon livre au centre. Lorsqu'il prêchait ce jour, a tout mis sur la vie, Benza. Je suis attentivement. Donc, dans l'écriture. Dans les écritures. Et ça, on va perdre l'écriture. Les amis, ma tata, qui t'aime, mais qu'elle s'est malade à terre. Ils appellent la paix. Ça. Il y a aussi ma tata, qui m'a salué à mon dimanche. Même là, pas
Seigneur avait présenté un mouvement d'incrédulité en Abraham. Dans Genèse 21. Dans Genèse 21. Tango ba c'est vrai Isaac. Tango ba le mot Isaac à la mabelle. Sarah a mon aki Agar na mwana na ibazose. Sarah a vu Agar et son fils en train de rire de ses mots. Sarah est chère. Et Sarah dit à Abraham, chasse l'esclave. Bingana mouya, moi si. Et son fils. Na mwana na yamani. Bakenda. Bravo. Et cela déplut fort à Abraham. Mouvement là-bas. Ce mouvement-là ne déplut à Abraham. Il faut que les gars soient dans la allégorie. Tu vas savoir que ces formes-là sont des signes allégoriques. Attends, c'est pas l'alliance. Ils représentent les alliances. Je suis attentif. Tu peux voir Sarah. Ma rotale est ça. Tout un temps. Mais elle représente tout un temps. Donc, à l'autre, ça veut dire parole moko et yaki. Elle représente une parole qui était venue. La grâce. Parole de la grâce. Mais Abraham a voulu. Mais Abraham l'a refusé. La richesse. Abraham a refusé d'ôter la loi. Donc, chasser. Abraham refusa de chasser. Et son fils. Et son temps. C'est le temps que nous vivons. Oui, c'est le temps que nous vivons. C'est le temps que le mouvement ne s'est pas Abraham. Mais c'est le mouvement chez Abraham. Il refusa. Et c'est là des plus forts Abraham. C'est ça le signe de l'incrédulité d'Abraham. Père de sa incrédulité. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit où il y a moyen. L'enseignement qu'il avait refusé. Il a compris la carte. C'est ce qui va accepter. Terreur. Jamais il y a mon voyage. Il a dit à Abraham. Salut et moi, salut. C'est que Sarah t'a demandé. C'est mouvement là. Et donc, ça va prendre notre enlèvement. Ça va prendre notre enlèvement. Après notre enlèvement. Après notre enlèvement. Merci, Marie, ton émission. C'est la parole que nous avons. C'est la parole que nous avons. Israël a dit la loi. Israël va m'aligner la parole. On va rejeter la loi. Israël va la rejeter. Attaque et son fils partout. Fermé. Pour Israël, le ciel est fermé. Pour rejeter parole. Parce que
qu'il a rejeté là-bas. Il y a bon Matthieu 23, verset 38. Ça, Matthieu 23, le verset 38. A rejeté la parole. Il a rejeté la parole. Le Seigneur a remarqué. Le Seigneur avait dit. Votre maison vous sera laissée déserte. Là, on a mis le motif dans la peau, on a mis les âmes à main. Cela veut dire les animaux aujourd'hui. Cela veut dire Israël privé d'eau aujourd'hui. Donc, Israël privé d'eau. Aujourd'hui, Israël est privé d'eau. Et ça, ça dit parole. C'est manquer la parole de la grâce. Ça, ça dit interprétation de la parole de la grâce. Il manque l'interprétation de la parole de la grâce. Bissonnez tout ça maintenant la parole. C'est nous qui avons cette parole. Bissonnez tout ça dans la 4 à 7 semaines à moisson. C'est nous qui sommes dans les 7 semaines de moisson. À la fin, la souka la bonne. Les deuxièmes présentations au Sahel. Alors ça accomplira la deuxième présentation. Il y a un autre temps, la texte à reprendre pour négocier ça par la grâce de Dieu. Pour aller achever par la grâce du Seigneur. L'Écriture nous dit ceci. Dans Exode 34. Exode 34. Exode chapitre 34, le verset 22. Nous lisons le nom du Seigneur Jésus-Christ. 22-23. Exode 34, verset 22, maintenant 24. Exode 34, le verset 22, 24. Tu célébreras la fin des semaines. Des prémices de la moisson du froment. Et la fête de la récolte. On appelle aussi fête des tabernacles. Donc, dans les Rwanda, Babouka, vigne. En ces temps, on moissonne les raisins de vigne. Babouka, figue. Les figues. Babouka, olive. Et puis, on moissonne aussi, on cueille aussi les olives. Et à mon nez, ça va l'air fête à récolte. Et c'est ça la fête des récoltes. Et pour ma septième mois. Et cela a lieu au septième mois. Il y a un moment, le Seigneur a donné la prophétiquement fête il y a millénium. Et c'est ce que le Seigneur appelle dans le classement des événements de la fête des milléniums. Ah oui, dans Apocalypse 20. Dans Apocalypse 20.